Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 19e épisode dans Let's Play Live sur Twitch pour Luigi's Mansion 3. Dans l'épisode précédent, on a fini le 11e étage. On a obtenu le bouton pour le 12e étage, donc c'est ce qu'on va faire. Prise spectrale. On va voir ce qui nous attend dans ce niveau-là. J'espère que vous allez bien, j'espère que le let's play vous plaît pour ceux qui reverront les rediffusions. Là, au moment où j'enregistre cet épisode-là, je viens de rediffuser le premier épisode de Luigi's Mansion 1 sur ma chaîne YouTube. Donc vous verrez qu'il y a un gros décalage. Sachant que je suis pas sûr de diffuser le 3 directement dans la foulée sur YouTube. Ok. Un petit bateau. Je pense qu'il y a un truc avec le bateau à faire. Salut Tobias, merci d'être là. Et merci pour le follow de l'autre jour. Bienvenue. Donc le bateau, il doit avoir un truc à faire avec, mais je ne sais pas quoi, on verra plus tard. Sûrement pour débloquer un des objets à récupérer dans le niveau. Comment vas-tu, Tobias? Ça, je peux pas. Quand je passe bien les feuilles. Bah, il a un an, un peu plus d'un an, Luigi's Mansion 3. Je crois, un truc comme ça. Peut-être même 2 ans, mais. Oui, non, ça va être plus vieux que ça. Mais en fait, ça fait un moment que je l'ai dans mes jeux, mais j'ai jamais pris le temps de. jamais pris le temps de le faire. Donc je découvre un petit peu. Ouais, je vais bien aussi, merci. Ok, donc là, c'est un peu monde marin. On va essayer de sûrement trouver des pirates ou des choses comme ça. Ok, donc là, il faudra passer avec le Luigi derrière, si j'arrive à trouver le chemin. Ok. Bah, je trouve que, tu vois, enfin, j'aime énormément les Mario, mais je trouve que les Luigi's Mansion sont très très cool. Je les connaissais pas trop comme, enfin, je les connaissais que de nom comme jeu. Et au final, je trouve ça dommage qu'ils soient pas plus connus que ça parce que les jeux sont très très cool. Ok, je peux pas faire grand chose pour le moment. Ça, c'est une espèce de prise. Après, tu vois, j'ai pas eu le. Pour le moment, j'ai pas fait le 2. Mais le premier était très 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 sympa et le 3 est très cool aussi. Luigi, de toute évidence, ce bateau entrave ta progression. Mais ça tombe plutôt bien. Faudrait que tu reviennes au labo. Quelque chose de grave s'est produit. Je te raconterai plus tard. Dépêche-toi, d'accord? Ok, bah allons au labo. Qu'est-ce qu'il va nous annoncer, le professeur Catastrophe? Ah,
Mais c'est vrai que ces jeux-là sont très très cool. Ah, je suis français, Tobias. Mais tout le monde est le bienvenu par ici. T'habites au Sénégal ou t'es juste d'origine sénégalaise? Ok, on est au labo. Ah Luigi, je t'attendais. Ok, t'habites au Sénégal. Du côté de Dakar ou... Après, je connais pas trop bien le Sénégal hormis Dakar. Oh, j'espère pas dire de bêtises. Je crois que Dakar, c'est Sénégal, mais... Pardon? Il manque un taux, dis-tu? Alors, oui, c'est vrai. C'est justement ce dont je devais t'entretenir. Je voulais modifier ton ectoblast glu en vue de l'améliorer, bien sûr. Et pour ce faire, j'avais besoin d'un bidule qui, j'en suis sûr, se trouvera dans l'hôtel. J'ai donc demandé à un toad d'aller le chercher. Malheureusement, viens voir par toi-même cette vidéo du toad. Ouais, je sais pas précisément, hein, mais c'est comme c'est la seule ville que je connais au Sénégal, je supposais que c'était par là. Ok, à la chaufferie. Zach Mbao, je connais pas du tout comme, comme endroit. Pierre Dawn, non, ça me dit rien. Je pense pas avoir eu ça, mais après c'est après la ligue que tu parles ou avant la ligue? Parce que comme j'ai pas fait après la ligue, je peux pas te dire si c'est ça. On dirait qu'il a été attaqué par un fantôme dans la salle où la vidéo a été prise. Écoute Luigi, cette vidéo est un indice. Sers-toi des éléments qu'elle contient pour retrouver le Toad. Mais surtout, rapporte-moi mon bidule, d'accord? Ne me déçois surtout pas. Mon invention est en jeu. Je pense que nous sommes d'accord pour dire que cette mission vaut bien tous les risques. Allez, au travail. Alors, Pierre Dawn comme ça me dit rien. Je pense pas en avoir eu. Parce que tu cherches son utilité, c'est ça? Enfin, tu sais pas à quoi sert? Ou c'est juste comme ça pour savoir si je l'ai obtenu. Hop, la chaufferie, elle est là. Fantômes s'en vont. Aïe. La surprise, la poubelle. Elle est plutôt violente, la poubelle. Elle m'attaque comme ça, par surprise. J'aurais bien aimé retrouver un petit cœur, ça aurait été cool. Bon, même si je peux mourir 5 fois, c'est pas... J'ai un peu de marge, hein, mais... D'ailleurs, en plus, j'étais au labo, donc j'ai été un peu idiot.
Et j'ai encore été idiot parce que la dernière fois j'ai dit fallait que j'essaye de casser ce muret. Et je l'ai pas fait. Ouais, je parlais plutôt bien anglais avant. Bon, j'en ai perdu parce que je m'en sers plus trop. Mais je me débrouille en anglais donc. Donc sur certains jeux, j'ai fait certains jeux en anglais, donc c'est plus facile aussi de discuter avec les gens en anglais. Pas vu toi là-bas. Ah non, ça c'est un bot. C'est un robot qui en fait c'est moi qui l'ai programmé pour dire aux gens si c'est ce qu'on appelle un bot. En fait c'est moi qui fais passer des messages directement dans le chat. C'est automatique. Et en fait, c'est juste pour dire que s'il y a des gens qui ne parlent pas français, qui s'empêchent pas de parler en anglais, s'ils ont besoin, quoi. Ok. Qui doit être pas trop loin, je pense. Il doit être plus loin dans le coin, je suppose. En tout cas, c'est cool de demander parce que j'aurais très bien pu rater un message. Ok, donc il doit être par là. Donc toi, t'as déjà fait les trois Luigi's Mansion ou t'as juste fait celui-là? Mais ouais, ils sont assez marrants les fantômes. On va couper l'eau. Donc faut que je ramène en haut. Ouais, ok, non, faut que j'envoie de l'autre côté. Ok, donc tu découvres aussi le jeu. Bien, bonne découverte en tout cas, merci d'être là sur la chaîne. Ah, tu as trouvé le Toad, tout rentre dans l'ordre. Maintenant, vous pouvez tous les deux vous concentrer sur ce qui importe vraiment. Mon bidule d'amélioration. On le voyait sur la vidéo que tu as oublié. Bonne chance mon garçon. Ouais, on le voyait sur la vidéo. Qui doit être pas si loin que ça.
Ah, peut-être par là. Hop, hop, hop. Oh regarde Luigi, c'est le bidule que je devais rapporter. Je me doutais pas qu'il serait là-haut. Ok, j'avais même pas vu. Donc... On va faire tourner ça. Ah non, mince, non, j'ai fait idiot. Hop, hop, hop. Toi, tu viens là. Ok, on la récupère le machin. Bah c'est déjà bien une vidéo par semaine, c'est... Faut prendre ton temps, faut pas trop te poser de questions, tu sais... Je stream assez régulièrement, mais j'ai pas non plus... Je dois être à, tu vois, 76 abos, enfin, followers... J'ai une toute petite chaîne, hein, c'est... Faut pas se porter d'importance à ces chiffres là, c'est bien quand ça monte, mais c'est pas le plus important normalement. Le principal c'est que tu t'amuses, que tu prennes du plaisir et puis au fur et à mesure ça montera. Non, dans l'ectoplasme, la voie est bloquée. Consulte ta carte pour trouver une autre issue. Alors, consultons la carte. Ouais. Il y a peut-être un chemin là-haut ou en bas. Voilà, l'objectif c'est de trouver... bah en fait faut que tu... c'est du montage, faut préparer le... Faut que tu prépares ton logo, etc. Enfin ton layout. Donc tout ce qui est cadre autour. Soit faut que tu prépares tout avant, soit faut que tu fasses ça... Faut que tu fasses ça au fur et à mesure, mais ça prend du temps. Grimpons. Est-ce qu'il y a une porte quelque part par là?
Je ne crois pas. Toad, tu me gênes, s'il te plaît. Donc ça va pas être par là. Bah ça, ça va être après au niveau du logiciel de montage, faut que tu prépares donc tout ce qu'on appelle le layout, c'est le cadre autour de ce que tu fais comme vidéo. Et après, il faut que tu récupères bah, les images de tous les badges et de tes différents Pokémon que tu souhaites obtenir dans le jeu. Attends, je vais te le marquer dans le chat. Donc c'est ce qu'on appelle le layout. C'est tout ce qui est le cadre autour de... C'est le cadre autour de la vidéo, de ton image. Et après, il faut que tu prépares tout en fait en avance. C'est au niveau de ton montage que tu rajoutes au fur et à mesure les différentes choses. Je vais essayer de virer un peu tout ce qu'il y a là-dedans parce que non, je peux pas. Ok, donc c'est pas par ici. Est-ce qu'il y a d'autres passages? Alors je me rappelle d'un chemin où il disait... Il faudra que je monte éventuellement peut-être le niveau de l'eau. Est-ce que... En faisant ça... Ah non, je sais comment faire. Ok, je vais jouer avec Toad un peu. Mais c'est pas compliqué en fait. Ça va être au niveau de ta préparation, ça va être assez long. Ok, ça va être au niveau de la préparation. Avant tes vidéos, en fait, c'est là où ça va être un peu plus long à préparer. Mais après, ça ira, quoi. Ça. Hop, récupérons le petit sac de billets. Ouais, il faut que tu récupères l'image, enfin les images de tous les badges, de tous les différents badges. Et de tous les Pokémon que tu veux obtenir aussi. Et après tu finiras bien par récupérer tout ça. Ouais, on peut aspirer le Toad. Je sais pas si je l'envoie. Hop, allez. Ouais, on peut aspirer tous les fantômes, etc. Donc c'est quasiment tout ce qu'on veut là-dedans. Récupérer ça.
Je vais continuer, je pense, au plus tard jusqu'à 20h30, vraiment plus tard, entre 20h et 20h30 pour. Mais en tout cas, merci d'être passé. Bon courage pour tes devoirs. On va continuer. Ah. J'ai eu quoi? On va essayer de faire tomber la clé de là-haut. Là. Ah, par contre, faut bien viser. Faut aller bien viser. Mais... Ah, et donc, bah, bon courage pour tes devoirs. Merci d'être passé. Ok. Il est 18h43. Ouais. Il est 18h43 en France là tout de suite, donc dans une heure, on va dire une heure et demie à peu près, j'arrêterai. Oh, tout est cassé là-dedans. Où le fantôme? En tout cas, merci d'être passé, Tobias. C'était hyper cool et bon courage pour tes devoirs. Souvent ça. Ok. Il fallait mettre le feu à la cuisine. Luigi, c'est plutôt par là. Nous devrions trouver la sortie. Et attends, Toad, cours pas. Hop, allez, allez. On va s'en débarrasser de ces fantômes. Petit, il danse, ce petit Toad. Hop, avant d'aller par là. On envoie Luigi.
de l'autre côté. Bon, tant pis. On envoie notre ami sur des briques, on le... Regarde Luigi, il y a une porte. Ah, on dirait bien qu'elle n'a pas de poignée. Ne t'inquiète pas, on va trouver ça. Si on reprend un petit peu de recul, viens par là. Par contre, c'est dommage. Mince. On dirait qu'il manque quelque chose à cette porte. Peut-être un morceau quelconque. Ouais, t'inquiète pas, catastrophe. On sait ce qui nous manque. Il est là le Toad. Il manquait pas grand chose, mon gars. Ok, on a trouvé ce volant. Luigi, insère la poignée dans la porte. Ok. On peut casser le mur, je suppose, en bas. Enfin, en tout cas, en bas, le mur il a l'air cassable. Excuse-moi, Toad, je t'ai fait tomber. Que je réfléchisse un peu. Ok, ça c'est pas grave. Je pense que la passerelle elle va se débloquer juste après. De toute façon, on voit le gros câble électrique hein, sortir du mur. Ouais, t'inquiète pas, on a compris. Bravo.
Oh, c'est relou avec les pots de peinture. Ok. De l'argent. Oh, c'est chiant ça, Toad. Est-ce que je peux éventuellement lever le tapis? Ok. Et bah YouTube ce qu'on... Ok, je sais pas où je suis. Oui, ok, on est là. YouTube, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter cet épisode-là parce que sinon il va être très très long. Twitch, on va se retrouver tout de suite pour la suite de nos aventures. Donc YouTube, on se retrouve très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien, à bientôt, ciao.